Salut à tous, c'est Brismo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les gars, ça va superbement bien aujourd'hui. Tout en mode commencer la vidéo, vous pouvez voir que j'ai installé la petite sacoche de réservoir qui est juste ici les gars, la petite sacoche réservoir MT. Elle est vraiment super bien, c'est la première fois que je la mets. Pour ceux qui hésitent à acheter une sacoche de réservoir tout court ou celle de la MT justement, et ben les gars, achetez parce que c'est le top, t'as pas besoin de sac à dos. Oui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils peuvent voir que j'ai mis une photo avec mon nouveau pull, celui que j'ai en ce moment là. Donc les gars, je roule pas en pull, dessous j'ai mon cuir. Je m'habille comme d'habitude, sauf que par-dessus je mets mon pull. Je l'ai pris en une taille un peu plus grande pour le mettre justement par-dessus. Et du coup, ça fait nickel. Mais non, je roule pas en pull. Après, si vous voulez rouler en pull, c'est votre choix les gars. Bref, je suis pas là pour vous sensibiliser et tout. Faites bien ce que vous voulez. Là, on est là pour prendre du plaisir, pour kiffer. Comme vous avez pu le voir dans le titre, les gars, on se retrouve pour une Brise Observation. Voilà, nouvelle série que j'ai renommée plutôt, parce que voilà, les Daily Observation, tout le monde connaît. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé d'en faire. Donc voilà, c'est ce que je fais. Nouvelle playlist, nouvelle série sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, c'est la première et on espère bien trouver des petits clips. Je vous le dis. Je vous laisse avec la toute première Brise Observation. J'espère que la petite intro explicative vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bon visionnage, les gars. Elle a failli se faire écraser, elle. Elle était pas prête. Ok, le feu rouge. Normal. Ok. Malheureux, mon gars. Ils sont chargés autant que moi. Même plus que moi, alors qu'ils sont en vélo. Putain, bon courage pour y traîner, ça. Hein. Les mecs sont toujours choqués quand ils ont fait un coucou, tu vois. Ils s'attendent à un gros V. Merci, poteau. Ils s'attendent à un gros V et tout. Mais non. Je t'ai fait un coucou des familles. On est des hommes bien. On s'arrête au feu orange, nous. Ah, on pense au poteau de rallye, hein. Qui en prend 50 par jour. On va la laisser passer, la petite clio noire. Parce que voilà, quoi. Sinon, personne n'allait se passer. Allez, passe. Merci putain! Mais dis merci! Et merci mamie. Oh, j'ai pris une bosse mon gars. Alors lui mon gars, il tombe sur la tête, tu rigoles pas. Hein. Ah, on a failli virer au drame. On a failli avoir un crash en direct les gars. Tu fais quoi toi? Mais gros, mais... Mais gros, mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais même pas de clignotant. Alors là mon gars, c'est tout le temps pareil. Tout le temps, il ne devait pas arriver. Regarde-les, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il fait. Oula. Oh oui, de long. Castorama, je vous aime. Bon, la petite MT est propre, c'est nickel. Ils ont pas compris qu'il y avait assez de passage là. Ah bah, du coup, lui non plus. Du coup, tu sais que le trait, c'est derrière. Hein. Le mec, il a relooké la meuf quoi. Il est passé à côté d'elle, il s'est arrêté, il est resté pendant 15 minutes à côté gros. Quel kéké celui-là, je te jure. Ça va, tu l'as pas trop regardé la fille? Ça va. Oh, il y a eu une bosse mon gars. Et il est comme moi les gars, il est plus haut du genou. Par contre, il n'est pas plus haut de la roue arrière. Hein. Ça sent l'embrouille là. Ça sent l'embrouille. Il est comment le bruit d'origine? Nouvelle MT 07 2018 les gars. Il teste une nouvelle MT pour voir un peu ce que ça donne. Oh d'accord, ok, il aime bien faire des tours. Qu'est-ce que tu fais gros? Tu fais quoi? Oh là là, elle est impressionnante. Elle arrive dans un virage, on arrive là. Elle est à 0 km/h la meuf, faut arrêter. Oh mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais quoi gros? Putain, ça me saoule les gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Putain. Bah, sans déconner. C'est le mec footer de merde. Tu fais quoi? Quel enfoiré.
On est prend toute la route nous aussi, non? Magnifique la Porsche, magnifique les gars. Ça sent les pots d'origine, non? La petite technique du la chaussette sur la chaussure pour pas abîmer la chaussure. Oh les clignots mon gars, c'est des phares. Oh là 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 là, encore un feu rouge. Est-ce qu'il a vu le feu rouge? Ah bah d'accord, il a pas vu le feu rouge. Excellent ça. Il a pas vu qu'il y avait un feu rouge, non? J'ai dit allez hop, j'en ai marre. Hop là. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi là? Non mais tu fais quoi? Putain. Ah bah c'est sûr que eux on les laisse passer hein. Dès qu'on les voit on les laisse passer. C'est quoi comme moto ça? Pardon? C'est quoi comme moto ça? C'est beau hein. Là où on se fait fumer par un T-Max. C'est normal en même temps. Je peux pas en moto, je peux pas. C'est de l'inconscience. Heureusement qu'il a pas doublé. Sans rendre la conscience. J'espère que cette première prise d'observation vous aura plu, que vous kiffez le concept. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner. Si c'est pas déjà fait les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Prismat et prenez soin de vous les gars.